Salut à tous et bienvenue. Je suis Julien Dédicchio et aujourd'hui on se retrouve à Angers. Pourquoi Angers? Tout d'abord pour ce magnifique château, mais surtout puisque c'est à Angers que nos solutions Edicchio sont développées et fabriquées. Aujourd'hui, je vous emmène avec moi voir les commerçants qui utilisent notre solution. Allez, venez, on va faire un tour. Monsieur Lebouc, bonjour. Merci de nous recevoir. Comment avez-vous découvert la solution Edicchio? Alors, je l'ai découvert à Nantes, au Cerbotel. C'est vrai que le système était pas mal, ouais. Et qu'est-ce qui vous a plu, justement? Ça fait déjà des belles étiquettes en rayon. Ouais. Je trouve que c'est le diamètre carte bancaire, c'est pas mal. Dès qu'on a des nouveaux produits, ben, on a l'appareil derrière, on se déplace, on change les étiquettes. Dès que les tarifs, ils augmentent, ouais, c'est facile à manipuler sur l'ordinateur. Et c'est un système assez simple, d'accord, pas compliqué. Avec le logiciel qu'ils nous fournissent chez Ikeo, là, c'est, ouais. Non, c'est pas mal, ouais. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir reçus, c'était un plaisir. Eh bien, c'est pareil pour moi, quand on peut parler des bons produits comme la viande, ben voilà, on peut parler, on en parle. D'ailleurs, vous mettrez une entrecôte de côté. D'accord. Bonjour Claire, merci de nous recevoir. Bonjour. Pouvez-vous nous raconter un peu l'histoire de cette boutique très connue sur Angers? Donc Benoît Chocolat à Angers, c'est deux boutiques en plein cœur de ville. Sur ce point de vente, on est plus spécialisé dans les macarons, dans le thé, les pâtisseries. Et puis la boutique principale rue des Lys, plutôt spécialisée dans les chocolats. Et ça représente à peu près combien de références entre les deux boutiques? On est sur environ une centaine de références. Je dirais 150 étiquettes. D'accord. Edicchio. Ah, vous voilà. Y venez. D'accord, très bien. Et justement, comment vous avez connu ce système? On voulait des étiquettes qui soient vraiment au contact des aliments, notamment des pâtisseries, des chocolats et puis des macarons. Donc là, c'est vraiment pratique pour nous parce qu'elles se nettoient très facilement à l'aide d'un chiffon humide, alors qu'avant, c'était plus compliqué. Elles étaient sales très vite et elles s'abîmaient vraiment très rapidement. Donc, il y a quelques jours, on a parlé des accessoires. Je vous avais conseillé un petit accessoire. Est-ce que vous avez trouvé une pertinence à ce petit accessoire? Bien sûr. Comme pour ces étiquettes en format paysage, sur le petit accessoire comme ceci, c'est très pratique. Voilà, ça évite de plier l'étiquette et puis l'étiquette tient seule et on a complètement adhéré aux accessoires. Donc, d'accord. Super. Eh bien, merci beaucoup, Claire. C'était un vrai plaisir. Merci à vous. Et puis, s'il y a des questions, n'hésitez pas. Ça vous coûtera 2 boîtes de caramel. Voilà, c'est ça. Merci de nous accueillir. Plaisir. Je sais que ça fait pas très longtemps que vous utilisez les solutions Edicchio. Quel est votre premier ressenti vis-à-vis de ça? Un côté pratique déjà, ouais, pour avoir en fait des étiquettes toutes avec la même mise en page. Ça permet d'avoir une harmonie dans le magasin. D'accord. Et après le côté pratique dans le sens où on peut les laver très facilement. Et vous avez assez de place pour noter toutes les choses qu'il faut pour vos pâtisseries? Ah oui, sans problème, ça permet de mettre effectivement le nom du produit, le poids, le prix bien sûr, un petit descriptif et pour les pâtisseries également les allergies. Quel est le produit le plus vendu? Beaucoup de produits les plus vendus, mais je pense qu'en pâtisserie c'est une feuille. Donc je trouve juste une feuille pralinée, s'il y a des jours où on n'en a pas, ça ne va pas. C'est un pour moi. Eh bien, merci beaucoup. C'était un vrai plaisir d'être accueilli chez vous. De rien, avec plaisir.
se retrouve maintenant à l'Oriflamme, la meilleure rôtisserie de la ville d'Angers. Merci de nous accueillir. Nous, aujourd'hui, on se retrouve aussi pour parler de l'étiquetage. Ça permet aussi de mettre en avant toute la panoplie de produits que vous avez. Pour vos produits phares, que sont donc les produits de la rôtisserie, les saucisses et les produits chauds, quels avantages ou inconvénients vous voyez justement à la solution Edikio? L'avantage, c'est très simple, c'est que l'étiquette est rapidement faite. On a vu l'ordinateur, on met les prix, ça imprime, c'est des petites étiquettes, il y a plusieurs formats. Là, on a des petits formats pour les vins, par exemple. Ouais. On a des formats un peu là, nous on a pris ardoise pour un peu plus traditionnel. C'est rapide, c'est pas très onéreux parce que les étiquettes sont pas très chères. Et puis voilà, on met l'étiquette, on imprime, c'est vraiment très très simple. Vous avez souvent à changer les étiquettes justement? Nous c'est une vitrine chaude, donc on les change assez souvent. Oui. C'est pour ça que je trouve ça très pratique de les faire rapidement. En plus, dans le logiciel, elles sont en mémoire, donc on a juste à cliquer, elles ressortent, elles se réimpriment. On peut en imprimer une, deux, trois, quatre. Enfin, c'est une simplicité enfantine. Bien, merci beaucoup de nous avoir reçus. C'était pour moi, c'était un plaisir. Et puis à très bientôt, je suis Oriflamme, avec un grand plaisir. À très bientôt. Merci beaucoup. Vous l'avez vu, à Angers, on a de super commerçants qui sont équipés avec notre solution. Merci de m'avoir suivi pendant ce tour. Si vous avez des questions, si vous avez des idées, n'hésitez pas à revenir vers moi. En tout cas, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau tour. Allez, à plus !